Bonjour, bienvenue sur Kadam, votre émission destinée à la mode et à la beauté. Direction le massage concept et le salon de l'ongle pour une beauté des mains. Allez hop, c'est parti! Vous êtes le gérant de Massage Concept, expliquez-nous l'originalité de ce lieu. Alors, l'originalité de Massage Concept, c'est de pouvoir proposer une gamme de 8 massages à la carte qui sont tous les massages du monde, le massage californien, le massage indien, le massage suédois, le massage thaï, la réflexologie plantaire, qui sont tous au même tarif selon la durée, 29€ pour le massage de 30 minutes à 99€ pour le massage de 2 heures. Ensuite, nous proposons aussi le massage sur mesure, qui est un massage qui sera personnalisé à chacun de nos clients et qui sera donc un massage unique. Tina, je vous laisse entre les mains de Terence qui va vous proposer un de nos massages à la carte. Donc nous sommes avec Terence, il va nous expliquer donc la différence entre un massage californien et un massage chinois. Pour rester dans la simplicité, nous dirons que le massage chinois, c'est l'électricien de la maison, c'est donc tout ce qui est électrique dans le corps, on travaille sur des méridiens d'acupuncture, alors que le massage californien, c'est quelque chose de très très doux, où la personne se détend vraiment. Et c'est un massage très conseillé pour les gens qui sont dans une mauvaise phase sensorielle. Auriez-vous un petit conseil quand on rentre chez soi, qu'on est fatigué, un petit massage qu'on pourrait faire soi-même? Alors je conseille l'automassage plantaire. C'est le plus facile à effectuer. C'est souvent une zone qu'on néglige dans la vie de tous les jours. Masser le pied légèrement, les deux pieds bien sûr, toujours, pied droit, pied gauche, est très très bénéfique. Alors tu as demandé un massage à la carte, et donc non un chinois complètement. Ce que je fais, c'est utiliser différentes techniques pour permettre à ton corps d'être dans un mieux-être. Alors là, je te fais un lissage, je prends contact avec ton corps. Je vais localiser les zones de tension. Donc il y en a une ici, qui est assez importante. Alors là, on va commencer à travailler sur les zones. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas respirer profondément. Donc on va permettre un peu aux épaules de se relâcher. Je vais terminer par tes bras. Terence, dites-moi, quelle huile avez-vous utilisée? Alors nous avons utilisé une huile bio, neutre. Alors il est vrai que traditionnellement, dans le massage à la carte, les gens peuvent faire une demande spécifique d'huile essentielle. Et donc nous faisons une préparation spécifique pour la personne à ce moment-là. Soit une huile dynamisante, soit une huile relaxante, soit une huile tranquillisante. Il faut passer quand même des années à bien connaître les plantes, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et c'est pour ça qu'avant d'utiliser une huile essentielle, soyez quand même attentif. Alors Christelle, qu'est-ce que tu me proposes aujourd'hui? Je vais te proposer un vernis semi-permanent. Ok. Tu n'auras pas besoin de l'enlever, il ne va pas s'écailler, il va tenir pendant 15 jours. Ce n'est pas vraiment un vrai vernis, c'est un vernis qui est entre le gel et le vernis. Je vais commencer par te matifier les ongles avec un bloc. Ensuite, je vais, on va dire, les dégraisser. Je vais rétablir le pH de l'ongle et équilibrer. Ok. Pour que mes produits tiennent bien. Donc là, maintenant, je vais mettre un produit. C'est ce que ça va être la base, d'accord, tout simplement. Tu dois choisir ta couleur. Je vais aller plutôt vers celui-là. D'accord. Donc là, maintenant, je vais t'appliquer ta couleur. Je vais te mettre le top coat. C'est un gel de finition et qui va faire briller et permettre au vernis de tenir en fait. Ok. Et d'être permanent. Pendant mes ongles sèches, est-ce que tu aurais un petit conseil qu'on pourrait faire chez soi? Un petit gommage deux fois par semaine et puis avoir le tube de crème hydratant dans le sac à main. Donc là, je vais te proposer une petite décoration juste sur un ou deux ongles. Mission Kadam, on se chouchoute, touche à sa fin et en attendant, prenez soin de vous. Ciao ciao!